Et salut à tous, c'est Furious avec le grand retour des défis de Fufu. Alors comme vous pouvez le voir, si vous avez suivi un petit peu le début là, je suis sur un nouveau maître d'armes avec une nouvelle config avec l'arbalète à la fin. Alors que Aftermath n'est pas encore sorti sur Xbox, hein, je joue sur Xbox évidemment. C'est une nouvelle config qui s'appelle Paradis des Snipers. Alors donc je l'ai passé très rapidement, mais en fait au début vous avez pas mal de 3 pistolets il me semble avec des silencieux. Et on enchaîne ensuite par tous les snipers quasiment, hein. Il me semble même que tous les snipers y passent, avec les automatiques au début et les snipers à verrou à la fin. Donc le défi de Fufu, cette fois-ci, si vous savez lire le titre, et je l'espère pour vous, il s'agit de remporter un maître d'armes sans servir de l'aide à la visée. Vous avez remarqué qu'au début j'ai évidemment montré que je n'avais pas l'aide à la visée d'activer. On voit que je galère à peine. Tiens, toi, descends d'un niveau. Ça te fera les pieds. Rape. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Donc, de gagner un maître d'armes sans l'aide à la visée, quitte à gagner un maître d'armes, je me suis dit, autant le faire sur le nouveau... alors c'est quelques serveurs, hein, si vous voulez trouver ce genre de serveur avant mardi et avant la mise à jour, faites une recherche avec Xbow ou Crossbow dans les serveurs Battlefield, et normalement vous trouverez des serveurs comme ça qui vous proposent cette nouvelle config. Et qui vous permettront donc de tester l'arbalète en avant-première entre guillemets. C'est marrant, je viens de voir que je m'y mets les guillemets, enfin comme d'habitude. Alors que vous ne me voyez pas. Oui, je suis spécial. Donc voilà, donc on enchaîne déjà, je suis déjà passé au sniper, je suis allé assez vite, j'ai bien enchaîné en début de partie. Et je continue de bien enchaîner, c'est assez sympa. Un peu moins là par contre, voilà. Je me fais sortir. 11-2, on va voir que je vais faire une série assez mauvaise là qui... Il me semble que je la commence tout de suite. Une série où je suis complètement perdu. Bon, j'en fais un quand même. Oh, Trapper Affair. Yeah, man. L'alliance de l'anglish et la connotation française. Je me fais avoir dans le dos, je ne sais pas pourquoi, comment. Alors que j'avais des mecs qui me suivaient. J'ai eu un début de game assez serein, ma foi, hein, pour ce défi de Fufu. En plus, j'ai eu un petit problème de capture, parce que je l'avais déjà réalisé hier. Alors, c'était sur Opération 925. Et faut bien reconnaître que la capture avait merdé quoi, et je me suis retrouvé comme un con tout à l'heure à vouloir faire le commentary avec la capture à la fin qui plantait. Donc j'en ai recommencé, ça m'a pris deux games quand même. Parce que au final, c'est vrai que surtout au sniper, ne pas avoir l'aide à la visée, c'est un sacré handicap. Comme vous pouvez le voir à l'instant. Je chope plein de hitmarkers, ça ne tue pas parce qu'il me semble qu'ils étaient deux là-bas. Et là, c'est le drame. J'en suis un quand même. Dommage, j'aurais bien aimé tuer l'autre, ça m'aurait fait changer de sniper. Voilà, belle rape. Belle rape, Pierrot, belle rape. Y'a pas à dire, là, j'étais propre. Hein. Dans le même temps, on va vous proposer très bientôt là, un nouvel épisode des spécialistes BF3 avec Bibi. Avec Dios, on va voir, on va apprécier un peu plus en détail un petit point du T5, enfin du style de jeu en T5, c'est la prise d'un point. Vous verrez ça, j'espère pouvoir vous l'uploader ou ce week-end ou en début de semaine prochaine selon comment je me débrouillerai avec le montage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous fera apprendre 2-3 trucs sur BF et sur comment gérer en T5. Vous l'avez vu d'ailleurs, on a remporté notre 6ème tournoi Coupe de France le week-end dernier en battant les Infamous en finale, comme d'habitude. La 8ème finale Mythics Infamous en 8 tournois pour ne pas changer les bonnes habitudes. On en est à 6, ils en sont donc à 2. Alors, lui, quand je l'ai tué là, le Old Trapper, encore une fois, j'espère que tu avais prévu l'aspirine de l'Ipran parce que tu dois commencer à avoir mal au crâne avec toutes les têtes que je t'ai mises. Je l'avais absolument pas vu quand je l'ai mis la tête, je savais même pas, j'ai pas compris sur le coup. Ah, joli fast-cop, dommage que Pierrot soit venu me sécher derrière. C'était mignon, alors sachant qu'en plus le fast-cop c'est un vrai fast-cop, hein, parce que là je suis sans aide à la visée, donc c'est un pur entre guillemets. Et voilà, le penchant du fast-cop réussi, c'est le fast-cop raté. On a vu que c'était parfois un peu moins réussi.
Alors lui, on voit là, le mec qui vient de me tuer a choisi sa pose. Et c'est là, voilà. C'est les tirs de loin sans aide à la visée. Je suis une vraie chèvre. Alors en plus, on voit que le SV-98, là, ils lui ont mis un viseur qui est absolument dégueulasse. Que vous reconnaissez si vous faites du maître d'armes habituellement, parce que c'est le viseur qu'ils ont mis également sur le LSAT dans la version classique du maître d'armes. J'aime pas du tout. Ce viseur, c'est pas possible. C'est pas possible, avec moi, on n'est pas fait pour être ensemble. Jolie balle là que je l'ai mis, je trouve. Ouh, jolie, mais je fais des enchaînements fantastiques! Oh là 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 là, quel talent! Sans vouloir m'envoyer des fleurs à moi-même. Et on va crever. Toi, Pierrot, je te l'annonce. Je te l'annonce. Je vais spawner dans ton dos. Tu vas arrêter de faire le beau. Tu vas même descendre d'un niveau. Tout ça, ça arrive en haut. Alors là, j'ai pas compris comment il a fait pour m'avoir, parce que bon, bah, je m'étais allongé quand même depuis 2 secondes. Je trouve ça un petit peu frustrant, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ma foi toutefois. Ah, t'étais dans mon dos. Ouh. Ouh. Oh non, là, là, les têtes s'enchaînent. Alors là, en plus, je chope un hitmarker de folie. J'étais un petit peu vexé de pas l'avoir tué. Oh là, là, ça enchaîne. Là, bel enchaînement. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais là, c'était fantastique. Là, je le re-shoot. Bon, heureusement qu'il est nul derrière. Il a dû être bien suppressé. J'ai fait un enchaînement là, mais alors fantasmagorique. Jouissif. Exceptionnel. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, ça m'a plu. Hein. Il joue bien, hein. Ça joue bien, hein. Oh là 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 là. J'aime bien m'envoyer des fleurs, parce que vous le faites pas assez souvent, donc j'aime bien le faire pour compenser. Oh là là là, c'est fast cop là. Et voilà, l'arbalète magnifique. Alors vous entendez le bruit? Je vous laisse écouter le bruit. Ah bon, dès que je tire quoi. Dès que je tire. Et je tire quand? Ah bah je tire pas maintenant, c'est génial! Je lui ai fait patienter pour rien, c'était magnifique. Alors normalement, dans quelques instants, après une attente insoutenable, nous devrions nous retrouver avec l'arbalète. Et 2 petits kills, je crois que je fais le double kill carrément, je vais faire un double. Hop, le premier. Ah, j'adore cette espèce de sarbacane là que ça lance. Ce bruit de sarbacane, hop, et tu décèdes. Et là, il reste plus que le couteau pour valider ce défi de Fufu. Voilà le plot idéal qui a l'air de ne pas s'en sortir. Premier coup de couteau et non. Bon. Effectivement, des petits soucis, un mec est venu l'aider, tout ça. On voit que j'ai même 5 niveaux d'avance et une marge confortable malgré le fait que je joue sans aide à la visée. Ils sont... je crois qu'ils avaient quand même quelques colonels. Et voilà, voilà, ça c'est la situation rêvée. Quand vous en arrivez au couteau, c'est tombé sur le mec qui ne bouge pas. De dos. La facilité. Ce défi de Fufu est donc une réussite totale. J'espère qu'il vous a plu. Hein. On voit que voilà, c'est le niveau 11. Je crois que c'est le niveau 16 là quand on gagne. Donc 5 niveaux de marge. Un défi de Fufu réalisé avec la manière. Je vous laisse profiter des rubans pour la fin. Puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous. C'était Furious. Fufu quoi.